vers des footballeurs. D'accord. Mais un peu plus côté jardin. Je peux dire ça comme ça. D'accord. Et pourquoi côté jardin? Parce que il y a un jeune qui a fait une publication sur internet concernant Djibril Cissé. Voilà. Okay. Il disait comme ça dans, il affirmait dans sa publication que sa mère disait être la nounou de Djibril Cissé quand il était encore plus petit. Okay. Et qu'elle cherchait à rentrer en contact avec lui. Elle a tenté par plusieurs moyens, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Elle est même passée par le biais de son père, Mangé Cissé. Okay. Qui n'est plus de ce monde aussi. Donc, vu qu'il est décédé, donc ça n'a pas abouti. D'accord. Donc, elle a appris qu'il est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire pour la CAN, ouais. Du coup, elle a lancé, qu'on appelle ça, le communiqué par le biais d'elle-même, son propre enfant sur Internet et tout ça. L'enfant même a même signé son nom. Il a mis la photo de sa mère, pour montrer que c'était véridique. Oh, okay. Mais sauf que la réponse de Djibril Cissé a vraiment créé une polémique sur Internet. Djibril Cissé a répondu sur sa page officielle en disant, mais vous avez pas honte de raconter des conneries comme ça? Honte sur vous, bande de menteurs. Ne manquez pas de respect à ma mère et ma tante, les deux femmes qui m'ont élevé. Et surtout, cette inconnue, honte à vous. Et surtout pas cette inconnue, autant pour moi, honte à vous. C'est ce qu'il a... Non, on dit que tu es nounou là, mais tu es obligé de dire des trucs comme ça. Non, mais en même temps, moi, je me dis aussi que pourquoi l'international n'a pas donné la chance à la femme de le rencontrer et aussi lui expliquer les contours de pourquoi elle dit qu'elle a été nounou. Nounou, à quel âge? Il avait quel âge? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est là que je veux arriver. Je veux vraiment... C'est parce que ça a des sous-noyés. Je vais te demander même, s'il te plaît, va la face sur la publication. Ce qu'on a dit de mal dans la publication. Oui. Il a juste écrit je suis à rencontrer Djibril Cissé, j'étais sa nounou quand il était plus petit, oui, dans son enfance. Ouais, oui. c'est tout ce qui a été dit sur internet, hein, au risque de me tromper. Vraiment, c'est pour ça que je voudrais vraiment avoir la publication sous les yeux, comme ça moi je sais que je peux pas raconter n'importe quoi. C'est ouais. Tu n'as pas envie de rencontrer la communauté. C'est ça. Voici la publication de Djibril Cissé. Il dit sur sa page officielle. Non, sérieusement, tu as vu ça? Tu n'as pas envie de répondre? Tu ne réponds pas. C'est tout. Mais de là aller traiter la maman de quelqu'un de menteur. Profiteuse. Du coup, les Ivoiriens sont pas contents sur Internet. Les gens commençaient à dire non, mais il est méchant, il est sans cœur. Il aurait dû rencontrer la femme puisque c'est une mère de famille et tout ça. L'enfant a commenté après le poste en question pour dire que c'est selon les dires de ma mère que j'ai fait cette publication. Franchement, il n'est pas obligé de la rencontrer. Je prends un exemple très simple. Il n'aurait pas dû faire cette sorte. Moi, je prends un exemple sur moi. Moi, étant mon papa, je sais que mon père n'était pas riche. Donc moi j'ai jamais je parle de moi moi mon papa je n'ai jamais imaginé qu'il a pris une nounou pour nous suivre quand on était encore plus petit. J'ai jamais imaginé, mais un jour il m'a dit quand vous étiez encore plus petit vous avez eu une nounou et tout ça, et un jour il y a une femme qui m'a croisé dans la rue. Ah, mon fils, je te vois à la télé, tu ressembles à quelqu'un que je connais, monsieur, là elle a dit le nom, monsieur Jean-Baptiste. Mon papa s'appelle Jean-Baptiste. Donc la manière dont elle a expliqué là, il a dit, bon, dites-moi votre nom, donnez-moi votre numéro. J'arrive à la maison, j'ai dit à mon papa, il dit, mais c'est elle qui était votre nounou quand vous étiez encore plus petit. Ok. Moi je savais pas. Donc moi pour moi il aurait dû accepter au moins rencontrer la femme. D'accord. Et puis l'écouter. Mais moi modérateur, je suis désolé. Encore une fois, de fait de ne pas vouloir rencontrer quelqu'un, il est dans son plein droit. Ça franchement, il n'y a pas quelqu'un qui me dit que pourquoi tu n'as pas rencontré la dame. Mais pourquoi tu fais cette sortie pour traiter la dame de menteuse? Elle n'a pas manqué de respect ni à ta maman ni à ta tante en disant juste que j'étais sa nounou. Non. Elle n'a pas dit qu'elle était ton parent, dit qu'elle a été sa nounou. Nounou, et puis nounou là, peut-être c'est plus une durée. Même ça si, fait un même, mois, même trois si mois. Tu penses que c'est pas vrai. On t'a pas besoin d'aller. Franchement, la sortie là, je la trouve un peu saugrenue. Très saugrenu, hein. Avec beaucoup d'émotions. Non, franchement, il est parti. Il est parti. Il est trop corsé. Même. Non, tu n'es pas obligé. Mais... Si tu veux pas la rencontrer, faut pas la rencontrer. Tu veux pas la laisse tomber. Son fils a pris son temps. Vous venez faire photo la dame, même toute souriante. Elle est toute souriante. Tu veux pas la laisse tomber, madame. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Ou bien, je ne sais pas. J'ai pas souvenir. Vraiment. Pardonnez le population. En tout cas, pardonnez le. Voyez le comme un petit frère. En fait, Djibril Cissé, il a changé de monde. Hein. Il n'est plus footballeur, il est DJ maintenant. Du coup, je me dis que bon, peut-être c'est Samuel Tendance. Il y a un but là-bas. Bonne nouvelle ou pas?
Non, ça crie pas. Donc, non, ça crie pas. Donc, du coup, c'est vraiment une action, de but qui n'a pas abouti. Mais quand même, on va vérifier. Bon, d'accord. Allez, on continue toujours avec les nouvelles du pays. On va parler cette fois-ci de. Pourquoi il y a des éléphants? Oui, attends d'abord. On parle des éléphants après ça. Oprah qui a fait une publication il y a quelques heures, je pense que c'était hier, elle a fait une publication sur sa page Facebook pour dire que elle arrête sa carrière. Elle arrête sa carrière. Juste qu'elle a des problèmes de santé, que ce soit santé physique ou mentale, émotionnelle également. Non, mais y a des elle a décidé de stopper sa carrière musicale. Et si jamais elle revenait, ce serait vraiment par passion, parce que c'est ce qu'elle aime faire. Mais c'est vraiment, moi, quelqu'un me disait, non, mais je pense qu'elle est abattue. Je dis, mais moi, à sa place, ben oui, je suis abattue. La meuf, elle a lutté contre une maladie. Elle est revenue sur les réseaux sociaux. Quand on pensait que tout allait bien. Elle a fait des sorties. On était tous derrière elle. On était contents. On a remercié le très haut pour ça. Et puis encore récidive. Moi, à un moment donné, là, franchement, mais si il m'a dit que c'est quoi, moi, il fait quoi, Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? Au-delà du milieu, même, on parle quand même d'état de problème de santé. Après, on ne connaissait pas vraiment. Moi, jusqu'à présent, tu me demandes c'est quelle maladie Gobra avait. Je ne saurais pas vraiment te répondre, en fait, parce que je ne savais pas. Après, tu sais qu'il y a des maladies, quand tu penses que c'est fini. Elle a dit qu'elle était au Maroc pour aller régler au Maroc, à moins que je suis en train de raconter n'importe quoi, qu'elle était allée à l'étranger, voilà, au moins on est sur cette à l'étranger, pour soigner, pour se faire soigner. Et elle est revenue toute pimpante, elle a dit que ça allait par la grâce de Dieu, elle était toute contente, et là de savoir qu'à nouveau, ben elle a des soucis de santé, franchement c'est pas top quoi, il y a de quoi te casser le moral, et franchement on est de tout cœur avec toi Oprah, et on va continuer de te soutenir, de prier vraiment pour que tous ces bobos là s'en aillent, mais vraiment très très loin de toi, parce que on le disait en studio, hein, quand aujourd'hui on dit rap ivoire, on dit au féminin, on dit forcément le nom de la grande Oprah. D'abord. Donc avant de citer ce serait vraiment une perte. Amel, t'es d'accord ou pas, c'est ton problème. Ce serait vraiment, vraiment un gros gâchis de ne pas te voir sur le devant de la scène. Mais elle a dit quelque chose dans sa publication. Elle a dit qu'elle va continuer quand même d'envoyer des projets par passion, juste pour le fun, quoi. Mais qu'elle ne va plus continuer la carrière. Bon. C'est dommage, mais bon. Le plus important, c'est déjà sa santé. Il faut aller bien. Et puis, on dit des choses souvent quand on est un peu déprimé, mais on verra bien. Mais avec le temps, on verra. C'est ça. Quand tout ira bien dans sa vie, on le souhaite pour le rétablissement. Exactement. Qu'elle revienne très, très vite. D'accord. Et nous, on revient juste après la pub. Ambiance morose dans ce studio. Non, ça va. Ça va, ça se passe bien. Il est où? À quelle minute? Je crois à 50. On est à la 65e minute. Ah ouais, déjà. On a quand même une marge, ça va. On attend de récupérer et puis de mettre un but. Moi j'espère. Les gens vont citer les gens. On est dans la nouvelle du pays, non? Il faut que ce ne soit pas les gens, c'est les gens. Parce qu'on a vu dans une vidéo que le premier ministre accompagné de toute une délégation, même du vice-président, qui était allé donc, j'ai envie de dire, au château des éléphants. Parce que je vais appeler ça château, parce qu'ils sont dans de très, très belles conditions. QG, oui. Donc château, au QG donc, des éléphants. Il portait un message du président de la République. Il allait aider les éléphants à se détendre. Alors il a dit que faites-vous plaisir sur le terrain. Si vous faites plaisir, vous allez nous faire plaisir. Je dis, le responsable de l'équipe, qui était donc le président de la FIF, qui a dit au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, normalement, normal, là, c'est le capitaine qui doit vous répondre. Qui a dit ça? Faut dire son nom. Non, c'est lui. Je connais pas vraiment son nom, en fait. Comment il s'appelle le président de Faut dire là, c'est qui? C'est monsieur Diallo. Ah, ok. Vas-y. Donc, qui a dit, on vous répondra sur le terrain. Notre réponse, vous l'aurez sur le terrain. Ok. Donc, là, ils sont fait quoi? Ils sont dit quoi? C'est quoi le retour? Et même par la suite, la première dame. Madame Dominique Ouattara, elle a fait un post où dit les gars, on vous soutient, on est avec vous, le peuple est avec vous, je pense fort à vous. Allez-y. C'est quoi la réponse? Attends, on peut mettre des mots sur cette réponse-là. Attention Égalisation des éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais faut voir là-bas d'abord, là-bas. Non, ça pue. La barre. Non, montre pas.
C'est marqué là-bas d'abord. Non, là-bas d'abord. C'est marqué. C'est une nouvelle du pays. Les nouvelles que nous viennent d'égaliser. Oui. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, là, ça passe à passer au pays. C'est non, champion, c'est ça, non, pas le choix. Lava d'abord. Lava. Je n'ai pas encore Lava. C'est quoi Lava? C'est pas Lava, Lava. C'est pas Lava, Lava. C'est pas Lava, Lava. C'est pas Lava, Lava. Non, non, tout à l'heure, là, tout à l'heure, là. C'est un but dans les embouteillages. Oui, c'est possible. On a commencé à crier, crier. Guy Pacom, c'est possible. Ce que tu penses, c'est possible. Ok. Mais, actuellement, là, ce but, là, c'est un vrai but. C'est moi qui ai créé le premier. C'est lui qui a vu le truc. Moi, j'ai pas crié. Pour l'instant, il n'a pas encore répondu. Pour lui, la réponse, ce serait la victoire. Si, si. Ah, pour l'instant, il n'a pas encore répondu. Non. Il y a quoi? Va. Voilà. On nous a pas encore répondu. Qu'est-ce qu'il y a même? C'est qui l'envoyé spécial du groupe? Il y a quoi? Ils ont c'est là-bas. C'est là-bas qu'elle a envoyé spécial. Je peux être votre envoyé spécial du groupe. Va. Ok, d'accord. Il y a quoi? Il doit annuler le but. Voilà. Ça a été annulé. Bon, c'est la réponse. Vous êtes là, vous criez. Je vous dis qu'elle nous a crié. On a le droit de manifester notre joie. Bon, on a bien écouté. On a dit, il y a quoi, on ça a été refusé. Il y avait une triste nouvelle, je voulais quand même en parler, même si ça vient du temps. Mm-hmm. Non, on a fini de parler d'Oprah, c'est au Cameroun. Il y a eu un événement tragique qui s'est passé. Oui. Des élèves dans une école à la capitale qui malheureusement sont décédés suite d'une bousculade à l'entrée, à l'entrée de l'école. Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, ils avaient un deadline pour arriver en classe, en fait, pour arriver à l'établissement. Okay. La directrice avait décidé qu'après 7 heures, les élèves n'avaient plus droit à la cour de l'école. Ils ne devaient plus rentrer, 7 heures. À partir de 7 heures, c'était l'heure pour être à l'école. Et apparemment, ils sont arrivés en retard. Et dans les bousculades des enfants, je crois qu'il y a un mur qui s'est écroulé et d'autres qui ont piétiné d'autres. D'après les informations que j'ai pu voir sur la toile. Donc, jusqu'à présent, je pense que si le bilan il est vraiment exact, sinon, à prendre encore avec des pincettes, je pense qu'il y aurait 10 décès d'élèves. Et le nombre de blessés n'a pas été dévoilé. Donc, franchement, force au Cameroun. On est de cœur avec vous. Et encore nos condoléances déjà aux parents de tous ces enfants-là. Wow. Franchement, c'est ce que je voulais partager. Mais nous, on va que soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire à travers ça. Soutien, ouais. Le grand show. Côte d'Ivoire pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes bien dans le grand show. On est chaud par ici. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, mais quand même l'hospitalité ne s'étend pas jusqu'à sur le terrain de foot. Ah mon cher, il peut pas me donner. Il peut être gentil comme ça. Gentil jusqu'à enquêter 4 buts. Bon, de toute façon, le découragement n'est pas évoqué. Non, je pense que les joueurs sur le terrain, ils sont découragés. Ça, c'est eux. Ils voulaient, franchement. Mon cher, ça, c'est eux. Si c'est dans la vie, chacun a son travail. Mais ils sont découragés. C'est le moral. Ce sont des professionnels, mon Dieu. Mais oui, mais arrête. Attends, on a vu le match hier. C'était le fait de défendre cela, mais il n'y avait pas les défendre. On dit découragement n'est pas ivoirien, c'est au niveau des supporters. Voilà. Dans la vie, chacun a son travail. Franchement. Quand nous, on arrive au travail, on travaille. Bien, et ils étaient sur leur boulot dans leur bureau, ils n'ont pas travaillé donc, ce sont des professionnels, des grands footballeurs dans leurs différentes équipes. Attends, ils nous ont pas fait rêver. Vous encaissez des buts, vous êtes 227 880. On se revoit à la seconde. Pour faire quoi? Donnez leur avis. Le téléphone est ouvert, vos avis. Appelez les gars, venez donner votre avis. Exactement, à la base, on voulait ouvrir le téléphone, on respecte notre programme, on ouvre le téléphone, il y a la go qui fait genre, on a trop bossé. Ouvre le téléphone, 27 225 49 880, appelez-nous, vous avez un ras-le-bol, vous avez un petit message à passer aux Ivoiriens, c'est le moment de nous appeler ici, mais quand même dans la courtoisie. Aux éléphants. À la fille, c'est aux éléphants du Côte d'Ivoire, franchement. On peut c'est quoi, c'est Jean-Louis Gassé, non, mais Jean-Philippe Gassé. 27 225 49 880, appelez-nous maintenant. C'est quoi l'ambiance chez vous? C'est quoi l'ambiance justement chez vous, voilà, dans votre fan zone ou dans un petit quartier, message, une ambiance asymatique. D'accord. Appelez-nous. Et c'est pas Boba Misara qui nous dirait le contraire à toi. Un Biama. Éléphant. Souris.
bien mal. Waouh, wow, quelle ambiance, waouh. C'est tout ça le charme du football. Ouais. Et on prend plaisir à apprécier ce beau spectacle footballistique. Les enfants de Côte d'Ivoire face à la Guinée, c'est quoi équatoriale. Hein, ouais. C'est quelle Guinée même. J'aimerais saluer tous nos frères mauritaniens, camerounais. Ouais, c'est le foot, c'est la famille, hein, les gars. Franchement. D'accord, un peu, et juste un peu de musique et on se reprend la seconde. Le maillot camerounais, ça coûte combien? C'est chaud sur tout le monde. On est dans le même problème. Je salue tous les fervents surpontés, notamment à l'artiste entrepreneur Moulard. Tu sais ce qui est difficile dans cette histoire? Dis-moi. Les Camerounais, même s'ils sont tombés, c'est pas grave. Nous, on organise. On a dit que tant qu'ils sont pas là, on est payé organisateur. D'accord, c'est pas grave. On va supporter les Mauritaniens. La peur, c'est que peut-être l'effervescence autour de justement. Tout le business autour, en fait. Mais il faut pas, les gars. C'est nous qui organisons. C'est à nous de donner la force à cette canne-là. Donc, je pense que. Non, l'Ivoirien est conscient que, quand même, c'est son business. C'est lui qui organise. Yeah, bien sûr. Faut pas que à cause de. Voilà, les gars. J'ai fait un rêve. Et la Mauritanie a remporté cette canne. Mais c'est tant mieux. T'as vu les gars mauritaniens, elles sont fâchées, non? Bien sûr. Pour ceux que les Mauritaniens, ils ne peuvent pas jouer ballon, non? Il n'y a pas de. Il y a un gars qui s'est commenté. Ah, il y a de bons morceaux quand même en Mauritanie. Mais. Elles sont, je dis, elles sont ivoiriennes. Ouais, elles sont ivoiriennes. Même le langage, même tu sais que. C'est pas bien grave. On se fait un petit bien mal de Missara et on se prend à la seconde. D'accord. Le grand show, l'invité du show, il est avec nous, c'est bien sûr Ivan Kwame. Ivan, ça va en forme? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Mais la voix ne sort pas, là, c'est quoi? C'est la défaite, là, ou quoi? Découragé, toi-même, tu disais ça. Ivan ne se décourage pas, mon frère. Non, découragé par rapport à quoi? Quand tu dis, Ivan, c'est découragé un peu quand même, tu vois. Et puis après, on reprend la voix. On n'est pas dans le combat, quand même, à un moment donné. C'est pour ça que ça, en fait, depuis les gens, nous prenons des trucs. On met les sentiments ici, bas. Même si on a perdu les matchs, on n'a pas perdu l'hospitalité, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut que la fête aille jusqu'à son. Son dénouement. Jeu de pleurs. Exactement. Il a dit jeu de pleurs. Hospitalité, ça, vraiment. Jeu de match, jeu de pleurs. Bravo à la Guinée équatoriale, ouais, ça. Quand même, ouais. Applaudissements pour la Guinée équatoriale. Faut pas être d'un mauvais bon, 4, même, oui. 4 beaux buts. Bien marqué. 4 beaux buts. Bravo. T'es peut-être devant un but, t'as vu, c'est des beaux buts. Si. 4 beaux buts. Est-ce qu'il a besoin d'être des buts? À un moment donné, là, côté, là, on sent trop le gourmet dans le tutu. 4 buts. Mais 4 beaux buts, là, c'est pour aller faire quoi? C'est pourquoi? C'est pas là-bas, pourquoi? Mais, et le but. Bon but, là, c'est pourquoi? Sur coup franc, là. Direct, ouais, c'est un joli but. Hein, le but qu'ils ont marqué. Bravo sur. Bravo au président de la fédération, Idriss, à la fédération, oui. À l'entraîneur. Bravo aux éléphants. Bravo à tout le monde. Merci. Mais ce que vous avez fait de nous, merci. Ivan Kwame, dis-moi, d'abord, qui était ton joueur préféré dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Et tous. Ouais. Donc, du coup, ils t'ont tous découragé. Mais après, c'est vrai qu'ils ont perdu, mais c'est le pays, c'est la patrie. On fait comment? On est obligé de les soutenir encore. Il faut pas tout aussi soutenir. Quand Ivan est arrivé, il lui a dit que s'il avait prêté une chanson pour les éléphants, c'est qu'on a. Mais bizarrement, la chanson aussi, il y a éléphants dedans. Mais je sais pas, bon, après, c'est la Côte d'Ivoire qui organise. On fait comment? Non, mais tu es un peu visionnaire parce que tu as chanté une chanson généraliste. On peut dire ça comme ça. Oui, parce que ça parle pas que des éléphants. Ouais, mon son, il est fait pour l'Afrique, en fait. T'as été visionnaire. J'ai fait pour l'Afrique. On reçoit d'autres pays, donc c'est normal, j'ai la cadence. C'est ça aussi. J'aimerais saluer tous mes frères camerounais, depuis le QG de Yamoussoukro, et également tous ceux qui sont un peu partout à Abidjan, bravo, voilà. Également, mais Ivan Kwame, déjà. Ouais, revenons à nos. Bravo Nigeria également qui a pris le dessus sur la Guinée-Bissau. Oui, voilà. Revenons à nos mots et tons. Ivan Kwame. On ne voit pas ce dire, c'est un bon ton. Ivan Kwame avec la musique déjà. Revenons, excuse-moi monsieur, revenons, nous étions allés où? Comment?
Revenons. Oui, on était trop dans l'émotion de la défaite. Non, aucune émotion. C'est l'actualité et elle est toute chaude. Elle est brûlante. Oui, voilà. T'as un peu mal quand même, faut dire. Non, non, pour de vrai, ça ne me fait ni chaud. On reçoit Ivan Kwame qui excellent chanteur. Toute la foule, c'est lui, excellent chanteur. Heureusement, beatmaker. Heureusement, il n'est pas joueur. Qui n'a pas encore failli à sa mission. Donc, vas-y. Donc, c'est quoi l'histoire de la musique avec Ivan Kwame déjà? C'est comment dire comme tout le monde est. Ah, j'étais petit, il voulait chanter. Bon, moi, je pense que j'ai signé ça. Ou bien c'est à l'église. Ouais. Ça explique-nous bien, t'es né, ça. Explique-nous. Non, parce que moi, mon père, c'est un artiste aussi. C'est qui ton père? Il s'appelle Master Gilles. Bon, il était dans le temps, il faisait ce truc aussi, tu vois, ça avant, c'est les vieux pères, il faisait le truc. Et puis, mon père, c'est un musicien aussi. Donc, moi, je suis né avec, en fait. Master Gilles, il jouait où? Il jouait au quoi, un DJ, un chanteur, un instrumentiste. Ouais, il chante pour Dieu. Moi, il va demander ça. Moi, il va dire, il veut faire chanson. Si moi, il ne savait pas faire musique, moi, mon enfant qui vient, il va pas faire musique. Mais pourquoi? Après, c'est pas toi qui décide. C'est moi, il sait ce qu'est la musique. Il aura les jeunes, ça, c'est normal. Il va aller à l'école pour s'engager, pour sa passion. Mais il n'en fera pas. Voilà ce qu'on va faire. Juste avant de continuer à faire le métier ou pas, on se prend juste après ça. D'accord. Ah, tu es là. Le grand show, le show sans frein. Nous sommes en compagnie de Ivan Kwame. Juste avant. Oh, c'est gay. Yes, I. Corona ne nous a pas tués. C'est pas cette défaite qui va nous faire quelque chose. Merci, Ricky. C'est ce que je voulais dire. Ivoire est toujours debout. Très bien, c'était la transition. Vas-y, toi. Je ton chausson. Joe, il s'est bleu. On va doucement. Ivan Kwame, ici quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Donc on va aller tous ensemble. Abi, faut prendre ton tabouret. On répond éléphant. D'accord. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait ma main comme ça, on répond éléphant. Éléphant, qui es-tu? Éléphant. Éléphant, tu as si maigri que ça jusqu'au point de flotter sur le terrain? Éléphant. As-tu pris du poids que ça? Éléphant. Jusqu'à tu es devenu loup sur le terrain plus qu'un bulldozer. Éléphant. As-tu pensé à nos paris sportifs? Éléphant. Tu as fait couler tickets des gens. Éléphant. As-tu pensé aux attachements de la belle famille sur les réseaux sociaux? Éléphant. Éléphant. Tu peux pas siencer un peu? Éléphant. Éléphant. On est fin, comme Fanfan, mais pour aujourd'hui là, c'était trop. Fanfan, éléphant. Qu'est-ce que nous pouvons dire si c'est pas éléphant? C'était tout pour aujourd'hui. Faut prendre ton tabouret. C'est pas mieux à se concentrer sur l'hospitalité là. Allons, ça. C'est l'actualité actuellement dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ivan Kwame, c'est un joli nom, Ivan éléphant. Non mais une fois t'as mis Ivan K, c'est pas mal, tu vois, ça peut le faire quand même. Non mais pour parler justement, comme il aurait dit, mon très cher Modé, revenons à nos Mots et tons. Voilà, donc Ivan, dernière sortie. Oui. On vient de s'écouter.
Pas si dernière que ça. Pas dernière sortie, c'était juste pour soutenir l'Afrique. La Côte d'Ivoire, comme Tamsi l'a si bien dit, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique. Voilà, donc c'est normal, ça se passe dans notre pays. Nous sommes, c'est ça, nous sommes les pays, le pays organisateur. Voilà, donc faut. Étant artiste, moi j'ai envoyé ma contribution, c'est ça ma contribution. Faire un morceau qui parle de l'Afrique et puis parle de la Côte d'Ivoire. Vraiment, tu n'as pas fait quelque chose sans passer par toi d'abord. C'est très important. J'aurais mieux fait bouger pour l'Afrique. Non, mais tu sais aussi, moi en même temps, la question que je me pose là, il dit, mais bon, il y a d'autres personnes qui ont été méfiants. Hein. C'est-à-dire, au lieu de chanter spécifiquement pour les éléphants, ils ont chanté pour l'Afrique. Tu as dit quoi? Tu sais, ils ont mal même. Je désire. Ils ont très mal. Et on dit, Ivan, par exemple, enfin, ça fait un petit moment après ton dernier projet qui a cartonné sur TikTok, qu'on te voyait pas trop où exactement. Le remix, c'est un. Ouais, Kindotila. Qu'est-ce qui se passe-t-il, les gars? Tu te caches pourquoi, comment? Je ne me cache pas, tu sais, la musique est bizarre. Après, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de personnes qui font la musique, qui connaissent un peu la musique ici. Voilà. Il y a Guy Paco, jamais qui était des riches. Il y a trop de choses dans la musique. Et malgré ça, les éléphants ont fait ça. Voilà. Il n'est pas concentré. Ça peut cartonner, et puis ça cartonne, mais ça cartonne pas bien. Ça cartonne, mais toi-même, tu savais dire quoi? Enfin, je veux dire, sur le plan financier, là, ça rentre pas au compte. Succès financier, zéro, franchement. Mais normalement, je pense que ça devrait aller de pair, non? Parce que si tu fais. Non, mais sérieusement, si tu mousses. Ça serait logique. En temps normal, voilà. Mais nous sommes dans un milieu, il y a trop de choses, tu comprends? Bon, on va peut-être faire la musique, Je vais dire un truc. Guy Pagom, je vais dire un truc. Vas-y. Pardonnez, ne me fermez pas. Dis-moi. c'est une manière de parler. Moi, je ne ferme personne. C'est une manière de parler. Tu sais, on est dans un milieu. Peut-être si c'est pas ça, tu me dis, c'est pas ça. On est dans un milieu, il y a des chants qui ont leur musique mousse un peu partout. Mais du coup, quand ils ne sont pas dans un réseau bien fixe d'artistes bookés sur des spectacles, tout ça, c'est un peu difficile d'avoir des combos. Je sais pas trop, tu vois. Moi, à la base, là, moi, je suis un passionné. Maintenant, après la passion, on veut gagner un peu d'argent pour manger. Ça, c'est normal. Tu veux gagner un peu pour manger. Mais dans les débuts, quand moi, je suis rentré, on m'a pas expliqué ça comment faire. Benoît, tu es partout à la fois. Ce que je vais t'expliquer, moi, je suis rentré parce que moi, j'étais passionné, tu comprends? Voilà, je suis rentré. Donc, c'est comme si tu viens d'un truc, c'est qui venait à côté là. Moi, ça ne me disait rien, je voulais faire Si on m'avait dit que bon, voici les clauses, voici quoi, j'allais réfléchir. Quoi, c'est quoi? Tu n'as pas dit les trucs. Excuse-moi, c'est comme le manager d'artiste. Mais si tu dis que pour manager d'artiste, tu viens derrière lui, tu voyages. Tu vois, merci beaucoup. Mais après, ça pèse sur toi. Tu te dis que c'est même chose les animateurs. Au lieu que là, tu as fait ton truc, tu es en train de bouger, tu vas bien bouger. Tu te dis que bon, ok, mon Dieu, je suis fort. Mais pourquoi ici à la même place depuis, il ne veut pas quelque part? Oui, mais ce que je dis, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est des marchés, c'est des spectacles, est-ce que c'est des trucs que tu n'as pas ou bien. Après, il y a tout ça aussi. Non, il y a la réalité du terrain aussi. Tu sais, comme on le dit, peut-être chacun a son réseau. Peut-être moi, je suis pas dans le bon réseau. Peut-être moi, je dis devant tout le monde aujourd'hui, peut-être je suis pas dans le bon réseau. Voilà, ça peut arriver. Peut-être toi aussi, tu peux ne pas être dans le bon réseau. Ah, aujourd'hui, comme ça. Je suis pas dans le bon réseau. On va couper tout court. Je connais Guy Paco ou bien je connais mon gars qui est là. C'est parce que c'est qu'il a fait un morceau pour lui dire, ah Ivan, c'est comment je t'invite à mon émission aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. Je connais Guy Paco. Moi j'étais plusieurs fois invité à mes émissions. Non, à cause, il vient. L'autre radio n'a pas dit le nom. Je suis parti là-bas à cause des DC et puis après on s'est connus, il m'a invité à la radio. Il y a eu un truc, il n'a jamais manqué de respect. Si elle est moins, il va me mettre dedans. Du coup, tu crées ton réseau. Voilà, parce que je suis créé mon réseau comme ça. Mais aujourd'hui, on voit peut-être qu'il y a des artistes même qui ne sont pas dans le flow. Comme tu disais, tu as dit que, mais il va tout bouger, moi. Après, on t'a plus vu. Mais ça bouge toi-même, tu es encore. Quel courage encore t'as fait. Si au début, tu es bien passionné encore, il a fait, il m'en fout. Mais là, il s'est passionné, mais. Attends, c'est un message que tu envoies à ton mentor ou quoi? Parce qu'après ton mentor, il bougeait fort. Hein, et jusqu'à ce qu'il fasse bouger d'autres personnes. Il fait bouger d'autres personnes. Aujourd'hui, vous devez comprendre une chose très, très, très simple. La vie est tellement simple.
ton mentor, c'est pas à vie. D'accord. Tu comprends? Moi, j'ai pas chargé Serge Benoît pour toute la vie. Après, il a fait ce qu'il peut pour moi. Tu vois, donc je peux. Après, faut toi-même, faut te chercher aussi. Il y a ça aussi, tu vois. Okay. C'est vous les mêmes. Pas vous les mêmes. C'est les mêmes personnes qui ont dit que tiens, Serge Benoît, c'est moi, tiens, Serge Benoît, c'est les mêmes. Tout fait. C'est pour ça que j'ai décalé. Il y a ça de mon truc à côté aussi, moi-même, pour, déjà, moi, pour me créer mon truc. Déjà, on va pas vite passer sur ce chapitre de Serge Benoît là. Pourquoi tu n'as pas été signé? Bon, autant pour moi, si je me trompe, tu peux me rattraper. Vas-y. Pourquoi tu n'as pas été signé Staff Theory Music. Bon, ah bah après, il y a Serge Benoît, il y a Staff Theory. Ouais. Serge Benoît, c'est l'artiste. Staff Theory, c'est une maison de production. C'est la maison de production, c'est l'entreprise, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est quand même le PDG. C'est pas parce que Serge Benoît, c'est mon bon vieux père que je dois peut-être le contrat ou bien le truc du Staff Theory pour moi, me plaît parce que Serge Benoît, c'est mon vieux père. C'était un choix, c'était personnel. Voilà, c'est personnel. Voilà, ça dépend. Si ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, il n'y a même pas d'un dedans. Voilà, moi, depuis que je chante, moi, il me gère, moi seul. Mais est-ce que c'est justement, est-ce que c'est pas le fait que tu te gères toi seul là, qui fait qu'aujourd'hui tu trouves que t'es seul. Parce que quand on va créer un label, c'est parce que, comme tu l'as dit, c'est parce qu'il a un réseau. Il sait comment on va distribuer le truc, il sait les artistes sont là, comment il va les manager, comment il va les faire. Doucement, quelqu'un peut créer un label. C'est pas parce que c'est venu créer un label. C'est avec que tu sens petit. S'il sent pas ce que tu fais, tu veux pas te mettre au label, tu fais quoi? Mais là, j'ai posé la question, j'ai dit c'est un choix, t'as dit oui. Donc là, c'est pas une affaire de statistique. C'est toi qui dis que c'est un choix. Mais en même temps, Ivan, quoi, mais tu peux chanter seul, tu peux ne pas faire partie de son label, mais au moins tu peux être dans son réseau quand même. Il va laisser ses petits. Non, il peut le faire. Il y a des artistes qui sont pas signés. Contractuellement, il n'est pas signé dans une maison de production, mais il peut être signé en distribution. On fait un tout simple. Vous m'avez invité en tant que fan de Kwame. Ah ouais, faudrait qu'on soit focus sur toi. Non, vous m'avez invité en tant que Ivan Kwame. Quand je viens à la radio, mais il fait émission télé, mais il fait émission internet. Tous les mêmes, vous dites non, enlève le tout, l'étiquette, c'est bien. Oui, c'était juste un chapitre. Non, mais moi, parce que j'aime vraiment un truc. Moi, je me dis, il faut que je sache. Ok. Je n'ai pas d'histoire, c'est mon vieux Mbogo. Pas comme c'est depuis très longtemps, c'est mon formateur, c'est lui qui m'a formé, tu vois. Donc j'ai tout le respect pour lui. Ouais. Donc après, il y a le boulot aussi qui s'impose. Ouais. Chacun peut faire son mouvement pour avancer. Et après, il faut voler de ses propres ailes. Voilà, après, si tu as bien de conseils, si tu peux demander, tu peux faire tout. Sérieusement, moi, je pense même pas, je ne parlais pas forcément pour, Staff Factory. Moi, je parlais justement pour peut-être une autre maison de prod. Le fait que toi, tu gères tout seul, sachant très bien que, souvent, là, moi, je connais pas mal de gars qui sont arrangeurs, enfin, qui se gèrent aussi, qui font le même métier que toi, en plus d'être chanteur. Ils n'ont pas la tête. Le gars, je veux dire, sa première passion là, c'est l'arrangement d'abord en fait. Avant la musique, tu vois, même si c'est le même mood. Avant là, ça fait qu'ils n'ont pas vraiment le temps avant de se concentrer. Ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer sur leur carrière musicale. Okay, moi, et donc le fait que toi tu dises que non, je suis en prod, moi je me gère tout seul. Est-ce que c'est pas ce qui pénalise justement ta carrière musicale en fait? C'est quoi le fait qu'ils soient indépendants, c'est ça? Oui, le fait qu'ils soient indépendants et qu'en plus derrière il a un autre boulot qu'il fait en fait, il arrange. Les gens sachent une chose. Moi, je dis pas mes choses comme les autres. Moi, il dit moi. Je dis pas non parce que moi, il dit moi là. Il a fait arrangement parce que moi, il voulait chanter en fait. Ok. Est-ce que tu comprends? Parce que tu dis, il était appelé l'arrangement. Tu vois, ça va. Bon, il fait un son. Bon, viens. Tiens, bon, on fait. Et puis, il faut quand l'inspiration, ça a tué l'inspiration. Donc, moi, j'ai appris les arrangements pour chanter moi-même en fait. Ok. C'était ça la base. Parce que moi, je joue au piano déjà des temps. Donc, j'avais déjà le tour ici à apprendre les arrangements maintenant pour faire moi-même mes chansons en fait. Ok. Voilà. Donc, c'est en faisant, étant au studio. Et quand il vient, bon, faut faire les morceaux, t'avances les sons. Et puis, les gens ont quoi à kiffer. Il y a quoi à faire des morceaux pour des gens. Et c'est comment c'est parti. Et maintenant, c'est quand je suis seul au studio qu'il fait sortir un morceau, Zocolo. Et puis, les morceaux, les gens commencent à kiffer. Comme je le disais toujours. Il y a beaucoup qui connaissent Ivan comme ils ne connaissent pas le visage parce que j'étais pas dans le flow. Je voulais chanter comme ça, pas pour me venir. Non, juste pour le faire, amuser. Juste pour faire plaisir. Et le business, c'était pas ton truc. C'était pas mon truc. C'est le premier, deuxième, troisième combat. Et c'est où ça a commencé à me plaire. C'est quand il fait Adolé que les gens ont bien kiffé. Je me suis mis dans le flow maintenant, dans le bain maintenant pour montrer mon tout. Non, au début, c'était pas ça. Maintenant, avant de te mettre dans le flow, dans le bain, comme tu le dis si bien, est-ce que tu as songé à te faire encadrer, entourer ou à chercher comprendre comment ça fonctionne le business. Voilà, c'est maintenant là. Et on va revenir à ça aussi. Que Dieu, nous tout le monde nous écoute. Mais c'est toi l'animateur, mais tu es fond là-bas. Sinon, moi, il t'a appelé. Eh
puis il fait Sama aussi. Ah, sinon, moi, il t'appelle parce que tu vois, dans la vie, même quand ça commence, à, on sait qu'il y a un nom, on dit ah, petit, il va te combien, petit, il va te combien. Ou tu t'es rabaissé parce que les FPI. Non, là, tu te rabaisses pas. Non, 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 non. Non. Il s'agit de ton nom et ta carrière. C'est juste un signe de respect. Même moi également, moi, Guy, pas comme Soumian, j'approche des anciens, des dévanciers de ce milieu-là. Ouais. Vous ne savez pas ce que je subis. Non, par contre, lui, il est très. Oui, donc, allons jusqu'au bout de ce qu'il dit. Comme c'est qu'il dit, tu vois, il savait commencer. Donc, il a dit, ah, attendez, le truc, certains clients, certains prendre un truc. Maintenant, moi, il voit les grosses têtes maintenant. Il y a des gens, il a dit, bon, ok. Non, mais il y a des gens, même s'il y a un peu d'affinité, c'est qu'ils ont travaillé, telle personne, je connais la manière de travailler. Si, si. J'ai pensé à Guy pas comme Sonia même. Bon, c'est pas Sonia, c'est Sonia. Il va me dire, il n'était pas question d'une collaboration. Je devais te créer, te trouver des scènes, des dates. Non, ça, c'est pas grave. Derrière, c'est ça. Que ça marche. Tu fais pas des scènes en fait. Voilà, je suis là, le morceau bouge, moi on sait pas c'est qui. On te met pas dans les réseaux. Ah, on vient présenter. Le mardi, c'est pour dire bon, c'est Ivan qui met son morceau. Ah, lui, c'est pas, mais on le met. Mais les gens, parce que ton morceau marche, il va te mettre. Tu attends le gombo. Non, faut partir vers le truc. Ouais. Donc, comme moi, je peux pas partir vers les gens pour dire ah, faut me mettre dans le mouvement, c'est un peu bizarre. Mais souvent, moi j'appelle. Ouais, moi, je cache pas mes choses. Peut-être c'est les autres qui ont envie de mentir. Moi, souvent, j'appelle les promoteurs pour dire ah, vieux, bon, c'est con, mais il y a vu une affiche là. Vous faites des mettre dedans. C'est que Ivan Kwame dit, c'est vrai, parce que le milieu est un peu comme ça, hein, il faut le dire. Même moi-même, je me rappelle très bien, dans les débuts, j'ai eu à contacter un vieux père comme ça. Ah, vieux, moi, comme tu as tout le temps les gombos, les mariages, les tutos, tu peux me placer en tant qu'humoriste. Il dit petit. Faut te battre, tiens, te faire connaître d'abord. Là, on va travailler ensemble. Je te coupe pas la parole. Est-ce qu'il a dit ? Je te coupe pas la parole. Merci, Maudit. Vas-y, Ivan. Faut mettre une chose dans ta tête. Personne n'est obligé de t'aider. Personne n'est obligé de t'aider. C'est ce qui va t'aider, c'est ton baron. Parce que quand ils vont qu'on a fait, c'était une personne qui te suivait. 10 personnes, 15 personnes, c'est quoi, ils sont 20 personnes qu'on a venu, tout le monde qu'on a venu. Ah là, mais il est fou, lui, à l'hôtel, il est fou. Ouais. C'est en fait, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça. Mais quand on fait un truc, non, lui, il fait comme temps. Mais c'est justement, t'as soulevé un petit problème. Si tu me permets, je vais lancer le truc et puis on va revenir. C'est-à-dire que vous le lancez dans un secteur que vous ne maîtrisez pas vraiment, en fait. Et encore une fois, c'est ma première question qui revient encore une fois. C'est-à-dire que quand toi-même, tu ne sais pas les rouages d'un métier et que tu refuses encore d'aller rentrer dans une maison de prod où ils connaissent plus ou moins. Ou connaissent plus ou moins. C'est quand même tu sais quel succès. Tu as le bon. Non, on va revenir. On va marquer une pause. On revient tout à fait. C'est chaud par ici. On a déjà fait parler de quoi d'abord là, allez où. Non, mais c'est la même chose. Waouh, c'est chaud par ici. C'est très, 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 très cool. Belle ambiance. On parle de business, on parle de musique, on parle de scène, on parle de spectacle. Vas-y, Icon, ma grande. Oui, donc la question c'était ça. Oh, Icon, j'aime ça. Avant qu'il ne prenne l'artiste, la cime était dans son mouvement déjà. C'est son truc. Et puis quand il prend l'artiste, il y en a qui tuent même l'esprit créatif. Tous ceux qui sont là tuent les artistes là. Ok. Tous ceux qui sont là, c'est-à-dire toutes les maisons, les majors, tu parles des majors ou des petites boîtes de prod. Quand il parle des prod, il parle des majors. C'est ça, tu veux parler, tu as des exemples, même, j'ai pas d'exemple. Tu en as été victime ou dans ton entourage? Est-ce qu'il y en a qui t'ont approché quand même parlant de maison de prod? Non, il y a une maison qui m'a approché, mais pas, mais eux voulaient juste
les éditions où moi qui là dès que la traîne a commencé à faire mal sur TikTok, en même temps ils sont venus, tu vois, pour dire on va prendre en édition ou en distribution en édition en distribution tout ah ouais. Voilà, donc 360. Attends, non, tu l'as répondu que quoi? Non, je savais. Il a juste distribué. Ils vont mettre le truc. Il y a pas mon truc. T'as cru aussi à bosser. D'accord. C'est à quelle maison je fais? Je fais citer quelques-unes. C'est U. On a fait le truc, on a avancé. Mais aujourd'hui, on fait l'émission, mais Ricky a mal, très mal. Ça casse l'émission. Ricky, du courage. Non, Ivan, vas-y, désolé. Aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, il faut bien connaître les rouages, en fait. Voilà, il faut bien, faut savoir où tu veux aller. Faut savoir tu es là pour quoi, en fait. Ouais, tant que tu sais pas ça, tu as tourné. C'est un métier à être artiste. Voilà, donc faut savoir où tu veux aller. Quelle est ta cible aujourd'hui, comme ça moi maintenant je sais où je veux partir. Ils vont dire quand même, ça va changer. Ils vont penser que c'est coupé, décalé, pourtant ça sera plus dans le ici. Et ça, c'est qui je veux maintenant. Donc, même si étudier moi-même, il a vu c'est où il doit partir. Tu as fait une introspection. Ça va étonner beaucoup de personnes. En fait, voilà. On me dit, tu fais comme ton attends, ça va changer. Tu as eu aussi le temps de. C'est quoi le nouveau style que tu veux faire? Non, ça va venir. En fait, je vais expliquer un truc tellement simple. On peut rester dans le même style, mais c'est les flows qui vont changer. Okay. Tu comprends? D'accord. On peut rester sur du 4-4, mais les flows vont changer. Quand tu vas écouter, tu dis, ah, mais ça, on sent que c'est pas dans le même tout. Parce que si aujourd'hui, on dit, non, faut faire ce qui mousse. Tu as eu le temps de regarder ce que les Ivoiriens aiment. Les gens sont les moussés, parce que quand ils veulent que tu fasses ça, marcher pour toi. Mais là, ce qui mousse, les Ivoiriens aiment danser. Hein. Tu vois ton son d'homolo que tu as fait là. Ouais, tu vois, c'est ce qui prend en fait. Les gens aiment danser. Tu peux faire un style, mais avec un autre flow où tu sais que tu n'es pas. Là, si on appelle aujourd'hui, on dit que bon, il y a 5 qui font là. Toi, tu fais pas ça là. On peut te mettre dedans. Mais il y a des gens, est-ce que toi, tu peux faire même. Tu peux faire plus dangereux que mix. Tu peux pas. On ne veut pas t'inviter. Ouais. Au début, il faut dire ah, tu fais comme c'est Benoît. Moi, il ne savait pas qu'il faisait comme c'est Benoît. Ok. Vrai, parce qu'on travaille ensemble dans le studio, on fait les blancs, on donne le tout. Non, moi, je ne savais pas. Ouais, c'est dit, tu fais là. C'est le refaire. Tout ça, il me dit attends. Tu fais là. Donc, attends, faut changer. On écoute Kindoti là. Avant le remix, c'est Benoît. Mon Kindoti là, moi, ça n'a rien à voir avec Benoît. Tu vois un peu le tout. Et là, même mon son prend ça. Il y a quoi d'une autre cadence, en fait, changer les accords, changer les trucs, pour ne même pas que. Même quand il est chanté, il dit bon, attends, il y a prendre. Même qu'il nous dit là, quoi, moi, je suis un arrangeur. Je suis quitté, je n'ai pas arrangé le morceau. Et me voit les arrangeurs, fait non, il dit, toi, tu as arrangé, ça les fait bizarre, toi, mais tu es un arrangeur, il dit non. Et il connaît Cédric Cannavaro. Je suis allé voir, il dit, Cédric, on a qu'à faire. Il dit pas comme Sonia Yaku. Voilà, donc Cédric Cannavaro, il a composé le beat, il dit. C'est ça, le beat. Donc, c'est bon, ça change mes flows moi-même. Il peut venir, il dit, bon, ok, moi, je vais chez tel arrangeur. Voici mon. Il donne pas idée, mais moi, il fait un truc comme ça. Faut me faire chanter comme ça. Parce que je viens chanter mon flow, on dit que ça ressemble à toi. Donc, toi, fais-moi chanter comme ça pour que ça change un peu le truc. Bien compris, en tout cas. En tout cas, pour cette nouvelle année, c'est nouvelle direction artistique. Cette nouvelle direction artistique, c'est. Mieux organisé, ils s'entourent d'une belle équipe. Tu vas trop parler. Après, il n'est pas la même manière, il voit les choses et les autres artistes aussi. Trop pour dire non, moi, ici, non. Pour laisser ça va sortir quand les et gens après, les ils vont juger. Ils vont juger. Sinon, pas aimé aussi voter. Sinon, aimé aussi mais bon, pour 2024, on peut s'attendre à combien de featuring comme ça? 2024, pour l'instant, je ne peux pas te mentir. Si on va s'attendre à beaucoup de featuring, en tout cas, on va s'attendre à beaucoup. Il y a sorti beaucoup de morceaux, mais il n'y a pas sorti dans le vide aussi. Il y a des projets qui sont déjà disponibles. Il y a des projets qui sont pas encore disponibles, qui sont prêts. Ok, en fait, moi, mes projets sont pas prêts en 2024. C'était prêt depuis 2021. Ah, ok. Même les Kindoti là qui sont sortis, c'est prêt depuis 2021. Même donc tu fais une mise à jour au fil du temps. Voilà, au fil du truc. Et puis après, moi, je suis pas menti aussi. J'écoute d'autres sonorités aussi pour compléter. Tu prends ça, tu triches, tu mets un peu. Il faut toujours tricher. Tu triches pas, ça serait bizarre. D'accord, mais tricher dans le bon sens. Faut tricher dans le bon sens. Il faut faire ce qui est bon. Voilà, prends ce qui est bon. Il y a des artistes même qui ont dit écoutez, c'est cette mélodie on l'a pris dans telle chanson, c'est pas ça mousse aujourd'hui. Comment on appelle là, c'est Mongboyi. Yodé et Siro, ils ont expliqué d'où ça venait. Voilà, ils ont juste transformé, et puis bon, bim, ça a pris quoi, tu vois. Donc, il y a des gens, peut-être toi-même, moi, il peut être là quand tu sais pas arranger. Tu ne maîtrises pas les trucs, c'est tout que tu sais pas faire. Mais tu peux donner l'idée.
Je peux aussi être en effet émotionnel. Non, il faut jouer là comme ça. Tu peux me donner l'idée que moi, j'aime cela. Moi, comme je maîtrise l'appareil, il est fait. Ça arrive. On fout, on peut faire un morceau. Puis il a dit que dans l'attention, il faisait son morceau. Il m'a dit, ah, faut me jouer ta touque là. Il me donne des idées, tu vois. C'est comme ça, je crois que tu peux me donner des idées. Vous dites que Ivan, moi, il te sent d'un flow là. Tu vas faire comme ça. Non, Ivan, moi, ce que tu as commencé, c'est bon. Donc, il attend juste de voir le son. Maintenant, si attends que tu arrives loin aussi, parce que c'est important. Ouais. C'est vrai que tu vas te monter une belle petite équipe. Il faut enlever ça. J'espère que j'ai un truc dans la tête qui me sort là. Vends là-bas. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est une mélodie, mon frère. Ça les vous ça peut tuer. Ah, tu vois, dans le studio là, on peut faire un défi à Ivan comme ça, une petite guitare avec la bouche, on s'est batterie et tout ça là. Attends, oui, c'est une bonne idée. On fait quoi dans l'émission? On avance. Tu regardes ton écran. Tu as un défi? Non, attends. Ok, les gars, on continue la musique, on s'écoute Nyaka, c'est ça, hein? On attend direct la nouveauté alors. Ouais, faut mettre Nyaka. Le grand show. Son propre style sur la radio, ouais, son propre style. Là, nous sommes. Non, c'est, tu viens avec, d'où, c'est ouais. Ça le titre. Si, si, c'est ça, c'est ça. Le titre, c'est bel et bien, tu viens d'où, mais son propre style, faut le trouver. Et je pense que Ivan n'est pas loin de le trouver, sinon il l'a trouvé et qu'on en parlait justement hors antenne. C'est bon, là, c'est ton propre style, là. On n'amène pas les choses. C'est bon, un propre style, là, ouais. Yeah. Ah, c'est un style, j'ai aimé. Mais moi, j'ai aimé quelque chose que tu as dit juste avant. Que nous passions ce titre-là, tu as dit, pour moi, il est souvent important de travailler, de collaborer avec d'autres arrangeurs afin d'avoir d'autres influences. Oui, c'est important parce que rester dans son cocon, dans sa zone de confort, c'est ce que tu sais maintenant. Pas ce qu'il y a dehors. Ouais. Tu te répètes seulement. Moi, j'ai compris ça. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, avec le coup, laisser tout ça. Après, si tu veux vraiment faire ce truc-là, faut essayer de voir d'autres personnes aussi pour travailler avec eux. Voilà, ça va t'envoyer d'autres idées. Mais à part Cédric Canavaro, quels sont les arrangeurs? Moi, je travaille beaucoup. Même ce morceau, bon, bizarrement, il devait faire ça avec Tamsi. Ce son, comme ça, il devait faire Tamsi. Et après, je ne sais pas, comme il devait sortir son morceau aussi, peut-être, c'est ça. On s'est donné rendez-vous, mais après, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Ouais. Peut-être il devait sortir son morceau. Mais là, Tamsi est très loin en ce moment, avec le coup du marteau, j'imagine. Je ne sais pas qui était le rendez-vous. Non, en ce moment, c'est le son. Mais dis-moi, actuellement, c'est quoi ton top 3 des arrangeurs? Mon top 3. T'as dit pas pour les top 3. Tu as l'oreille musicale. D'abord, tu es de quelle génération comme ça d'arrangeur? Si toi tu veux te classer. Moi, je sais pas. Il y a Canavaro, il y a l'autre, lui là, Shadow, il y a Monsieur le Juif. Il y a Tamsi, il y a le Juif. Il y a lui là, Roche Atu. Il y a Akoun l'arrangeur. Akoun, tous ces jeunes là. Il y a celui qui avait embrassé Vital. Il y a Exo le charismatique, Momo Wang. Qu'est-ce que tu peux avoir enfin? Après, chacun son style. Chacun arrange comme il sent. Arrange comme ils sont forts, tous sont forts, tu vois. Mais Ivan, tu n'as pas fait de l'arrangement, je veux dire. C'est pas souvent, c'est un artiste, ça marche pas trop, mais en mode arrangeur, ça peut, voilà, tu vois, ça peut donner. Quand t'es sûr que l'arrangement, là, ça fait quelque chose. Moi, c'est pas des. Moi, je n'ai pas été. Il y a plus de mythes dans l'arrangement. Ivan Kwame, pendant que tu arrangeais les artistes, est-ce que tu as déjà croisé des artistes qui sont venus, mais qui n'avaient pas de projet? Il y a trop fait ça. Il y a trop fait ça. Ça s'est passé comment? Ça c'est bien. Et viens. Le gars vient, il veut chanter, mais c'est pas va chanter. L'argent est bizarre. Mais le gars vient. En fait, c'est là, tu vois la force maintenant de l'arrangeur. Parce que l'arrangeur sait chanter aussi. Là, il t'a tout tué. Parce que l'arrangeur. Dans juste 3 minutes. Voilà. Tu dis quoi? C'est là, tu vois la force de l'arrangeur. 30 secondes pour rien. Tu aimes quoi là?
Attends, tu as dit quoi? Le gars, il vient. Il disait un truc. Non, non, vas-y, vas-y, dis-moi. Toi, tu viens simplement te dire que lui veut faire un truc. Toi, tu fais la programmation. Toi, tu fais la programmation comme tu sais que tu as plus le jeu dedans. Tu vois, non, voilà. Tu fais la programmation et puis tu dis, bon, chante. Voici, faut chanter comme ça, faut chanter comme ça. Et moi, j'ai trop fait ça. L'orienteur. Direction artistique. Voilà, je dis que chante comme ça. Oui, mais. Chante comme ça. Mais dans ce cas-là, l'arrangeur doit prendre combien de pourcentage dans les droits d'auteur? On me disait, avant, l'homme ne savait pas ce qu'il faisait. L'homme était passionné. Donc, il faisait. Heureusement, la guipa comme t'es là. Heureusement. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, moi, ça me plaît. Et tu viens, tiens, moi, j'ai signé ma partie d'arrangeur, c'est moi, c'est tout. Mais lorsqu'on envoie les choses. Moi, en gros, quand ça vient, c'est toi qui es l'auteur, tu es le compositeur, c'est tout. Lui, il est juste interprète. En gros, c'est comme ça ça doit se passer. Donc, tu es dans le droit d'auteur, tu es dans tout. Lui, tu dois. Il est interprète, pour s'entendre, peut-être pas que tu dois prendre la lui. Mais normalement, si c'est pour lui qui est venu son truc, toi, tu as arrangé sur moi. Tu as fait 5%. Ouais, c'est voilà, tu as fait 5%. Mais il vient avec son texte ou bien c'est toi également qui écris? Non, c'est ce que je dis. Avant, quand il vient, quand nous, on fait tout. On dit chante, qu'on chante, Normalement, c'est nous, on doit prendre tout. Lui, il est juste interprète. Ok, moi, il y a une question pour toi. Tu as été content de travailler avec moi au studio? Oui, j'ai été content. Dis la vérité, dis la vérité. Non, il est vraiment fatigué. Il est venu. En fait, ça m'a tourné parce que pour quelqu'un qui. Tu sais pas que c'est pas un chanteur. Tu sais que puis il vient, il allait il allait bon doc. Avant, quand même, il avait le doc. Tu vois? Le dernier doc. Avant, il avait le truc. Il va donc ton actualité, c'est tu viens d'où? En gros, c'est pas mon actualité en tant que tel parce que. C'est juste pour la canne. Ça finit, bientôt. Ça finit bientôt. Mon actualité arrive. Bon, c'est quoi ton projet? Mettez en tête que c'est Gouyema. Gouyema. C'est le prochain projet ou? Voilà, ça sera. Moi, il dit en même temps Gouyema, faut Gouyema aussi. Voilà. Pas toi-même ou avec quelqu'un d'autre? Moi, j'ai fait la musique. Et je suis allé chez quelqu'un encore. On a travaillé dessus ensemble encore. Ça m'a fait changer d'esprit encore. Et ça sort quand? Ça va sortir après la canne. D'accord, donc tu viendras nous le présenter ici. Ouais, je vais envoyer ça bien même. La famille, malheureusement, c'est vrai que les enfants sont perdus, mais voilà. Tout ce qui est bon a toujours une fin. Si, modérateur, on va se prendre demain, même fréquence. Ricky, malgré ton gourmet, malgré ta experte sur tous ces paris-là, à demain. Ouais, demain. Okay. Et à demain également. À demain. D'accord, demain, vas-y. Demain, Kwame, ça a été un plaisir. À demain. Ivan, tu reviens quand tu veux. Ouais, même pas le souci, ça me fait plaisir. Mais pas demain, s'il te plaît. Tu reviens quand tu veux, mais pas demain. Il revient au milieu de février. Il n'y a pas de souci. Tu viens d'où et tu nous gâtes le coin là-dessus. Et on se dit bye bye. Allez là. Non, perdu. On y va.